Mesdames et Messieurs les autorités civiles et militaires, chers amis, en cette 70e année de commémoration du débarquement de Provence, je suis honoré d'être ici parmi vous pour rendre hommage à Madame Jeannette Achard. Son mépris du danger, son dévouement, son don de soi en ces temps troublés l'ont conduite à se démarquer et à faire la preuve de grande qualité humaine. Elle a honoré par ses actions courageuses et patriotiques le peuple français et son attitude force l'admiration. Elle a ainsi contribué par ses efforts non seulement au bon retour des aviateurs américains vers leur base afin qu'ils puissent reprendre le combat contre l'oppression de la barbarie nazie, mais elle a posé aussi une pierre de plus à l'édification des conditions de retour de la paix et de la liberté pour tous les hommes. Mesdames et messieurs, pour toutes ces raisons, le commandeur Anthony Di Pietro, ici présent, ainsi que tous les membres du poste 5, sont honorés de décerner à Madame Jeannette Achard la médaille d'or du mérite de l'American Légion, ainsi qu'une plaque en témoignage de notre sincère reconnaissance. Merci de m'avoir écouté. Saint-Exupéry faisait dire au petit prince « Il y a des choses qu'on ne sent bien qu'avec le cœur. » Sachez que toute l'émotion que je vois ici me touche énormément. La mémoire, c'est vibrant, c'est vivant. La mémoire, c'est dynamique. Et pour reprendre les mots du philosophe Paul Ricoeur, la mémoire, c'est le devenir en marche de sa propre production. La mémoire, c'est le futur, notre futur. Aujourd'hui, je suis fier. Fier que l'on me permette de remercier et de rendre hommage à Madame Achard, qui fait partie de ces grandes personnes à qui ma génération doit de pouvoir profiter des libertés qu'elles ont conquises au péril de leur vie. Il vous fallait beaucoup de courage et de générosité pour venir en aide aux soldats alliés. En effet, que risquez-vous? Oh, pas grand-chose. D'abord l'arrestation, puis la conduite au 425 rue Paradis à Marseille, siège de la Gestapo, où vous attendez la torture, et puis la déportation ou le peloton d'exécution. Alors, par-delà les frontières, des hommes et des femmes se sont levés et ont refusé de voir le monde se soumettre. Les résistants, pas à pas, ont démontré que de l'action combinée de chaque homme, de chaque femme naît l'espoir, de chaque femme naît l'espoir. C'est bien ce qui s'est passé ici le 12 juillet 1944. Jeannette Achard avait compris le sens de la responsabilité citoyenne qui implique le don de soi. Je parle d'éclat parce que je suis heureux qu'aujourd'hui on rende hommage à Madame Achard. Enfin, je veux dire Jeannette, c'est Maximin, on m'appelle plus Jeannette que Madame Achard. Parce qu'il y a eu un petit épisode que j'espère un jour on retrouvera dans les chroniques de Saint-Maximin et qui rappelleront quelques petites péripéties qui avaient un temps laissé Jeannette dans l'oubli. Aujourd'hui, je suis heureux que la vérité se fasse véritablement jour. Les bombardiers américains du Nostre Saint-Pan des Sagan à 5000 mètres d'auture évacuent le moment qui dure à quel espèce à clous bousine à Péramon et nous c'est aussi car les boulants qui forteressent tiennent comme pèse maîtresse des gaillards et poutins autour des 12 000 chivas ou apours. Et mais le boucan dit non oui admirant la belle escadrille, mais quatre moutures péringiennes, n'en s'en sigur, car l'y vaisaient.